Univers de Gasherman présente Saroix. Année 1000, plutôt dire. Année 100, oui. C'est l'année 100, bien sûr, de moins. On commence dans un territoire moyen. On vivait dans des villages très. Très bien détendu, très correctement. Les villageois se bien en tenant correctement et tout ce qui sont faits, ils font leur vie normale. Et dirigé à propos d'un empereur est une impératrice. D'après la tradition des jeunes empereurs et des jeunes impératrices, s'il faut être en mariage, d'après la tradition, il faut exiler ce d'ici à faire exiler les personnes les plus célibataires qui nous refusent de leur amour pour éviter qu'ils ne veulent pas de futurité. Toutes ces personnes ne sont pas plus à voir des nouveaux des nouveaux futurs futurs des sujets. Ils sont condamnés à être en exil. C'est donc la tradition des mariages. Si un mariage de l'impératrice à l'empereur, les hommes et femmes célibataires revoient non au futur UG sont maintenant exilés. Seuls les célibataires, ils sont tous exilés, se rendent hors de leur territoire par la muraille, dirigeant le territoire des étrangers. Et l'une d'entre elles, le célibataire, ne veut pas d'amour. Il est exilé de sa propre désolation jusqu'au jour où, avance des pas, il découvre un casque. Et soudain, quelque chose un casque. Il le prend, il le place sur sa tête, et soudain, le casque brille, et soudain, il se transforme en armure de haute technologie, bien sûr. Voilà qui se fait appeler Saroix. Et il est fort pour détruire le mur, mais il est fort pour gâcher le mariage pour l'empereur et de l'impératrice. Et soudain, leur mariage est gâché par Saroix. Coup de poing, coup de pied et un coup de paf, paf et paf. Comme ça, hop, et le palais commence à être détruit. Et grâce à Saroix et grâce à sa nouvelle règlement, résultat, les murailles sont maintenant rasées. Et tous ces territoires créent des maisons partout pour faire la grande paix. Fin de l'histoire de Saroix.